cette épreuve, le prix d'Estrier Junior Chep, c'est la première course soleil du jour avec tout de suite certain pour Laurent qui s'est emparé du commandement avec un très léger avantage avec en seconde position Brunologue Gornis et Tanchita et deuxième le Lacor le devant Yem The Boss Diablotin de Bray et c'est le numéro 6 qui patiente. Il s'agit de bien Felona Flama qui ferme la marche de ce peloton kazakh de Launay. Elle est concurrente qui aborde le début de la ligne opposée et pas de changement notable en tête actuellement avec Isserton Pandora qui emmène toujours le peloton avec un très léger avantage alors qu'on est là avec Isserton Chita qui est venu prendre l'avantage pour franchir une nouvelle haie devant Isserton Pandora alors qu'on est en troisième position avec Bruno Le Gueux comme devant Iam The Boss qui précède Diablotin de Bray et toujours la kazakh du numéro 6 Felona Flame qui ferme la marche de ce peloton, un peloton étiré et toujours les mêmes aux avant-postes avec Isserton Chita qui a toujours librement l'avantage avec en seconde position, toujours bien calé dans son dos, Isserton Pandora pour franchir une nouvelle haie devant Iam The Boss qui précède à Brunel Le Gueux, Diablotin de Bray, l'autre Ferland est là également. Alors que la kazakh de Launay du numéro 6, Felona Flame, est pour l'instant attardée à l'arrière-garde à une dizaine de longueurs plus loin. Les concurrents sont maintenant dans la ligne des tribunes, ils vont repasser dans les tribunes une nouvelle fois. Il va rester un tour de piste à parcourir avec toujours les mêmes aux avant-postes. Isserton Chita qui a l'avantage franchissant une nouvelle difficulté en tête avec Isserton Pandora à ses côtés le long de la corde. 3-4 longueurs plus loin, on retrouve Iam The Boss devant Diablotin de Bray, Brunel Gueux. Et toujours Felona Flame qui est à distance mais qui poursuit son parcours alors qu'on a dérobé également avec Iam The Boss qui a dérobé. Les concurrents qui sont maintenant dans le tournant et le début de la ligne opposée. Pas de changement notable en tête avec Isserton Pandora qui a toujours l'avantage. Avec également Isserton Chita qui vient à sa hauteur dans la ligne opposée avec Diablotin de Bray qui est troisième devant Brunel Le Gueux. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée avec toujours Isserton Chita qui emmène le peloton avec un très léger avantage. Isserton Pandora qui calque sa course sur les leaders et qui est bien calé dans son sillage, amené un petit peu plus loin avec Diablotin de Bray et Brunel Le Gueux. Et puis également Felona Flame qui est à distance mais qui poursuit son parcours. Les concurrents qui abordent maintenant l'aide du tournant final et pas de changement notable en tête actuellement avec toujours Isserton Chita qui a l'avantage mais Isserton Pandora et une demi-longueur plus loin maintenant bien calé dans son dos et tente de revenir avec également Diablotin de Bray et Brunel Le Gueux qui est à distance. Les concurrents qui sont dans la phase finale maintenant, il leur reste deux à franchir avec Isserton Chita qui arrive par la plus belle maintenant et qui a supporté le poids de la course et qui compte maintenant une longueur et demie, deux longueurs d'avance pour franchir la dernière haie avec Isserton Pandora devant Diablotin de Bray. Les concurrents sont aux avant les poteaux, Isserton Chita qui va s'imposer, qui ne se laisse pas approcher dans cette épreuve pour s'imposer plaisamment de bout en bout avec Isserton Pandora.